La ligne d'horizon à perte de vue, cet océan, cette mer qui en appelle plus d'un. Après un long vagabondage des mers jusqu'à Madagascar, j'ai plongé dans cette folie douce. Traverser un océan seul, écouter la mer et apprendre ce qu'elle a à me dire, c'est un rêve depuis longtemps. Me retrouver seule en face à face avec les éléments, remonter l'océan Atlantique de l'Afrique du Sud jusqu'en France, vivant au jour le jour au gré du vent et de ses caprices. Ton bateau il avance à 2,4 nœuds et tu trouves que 2,4 nœuds c'est rapide. Ouais, faut espérer que les conditions vont être super belles après. Tout cela jusqu'aux Açores, des îles enchanteresses parfaites pour l'aventure hors des sentiers communs.